Résolvons maintenant un problème en contexte pour mieux comprendre la méthode du simplex. Donc, on a une entreprise qui fabrique trois types de vélos. Elle a des contraintes au niveau des heures de fabrication, de peinture et d'assemblage. Elle sait qu'un vélo hybride rapporte 400, un vélo de montagne 300 et un vélo de route 500. On veut connaître le nombre de vélos de chaque type pour maximiser les profits. Donc, la première chose à faire, c'est de sortir nos variables. Donc, on a nos variables de décision X, Y, Z qui correspondent au nombre de vélos hybrides de montagne et de route. Pour la variable à maximiser, on veut maximiser les profits. Évidemment, nous ne pourrons pas utiliser Z comme lettre parce qu'elle est déjà utilisée. Prenons P pour profit. Sortons maintenant nos systèmes, notre système d'inéquation, donc notre programme linéaire. Les contraintes sont reliées à la fabrication, la peinture et l'assemblage. Donc, on sait que la fabrication, il y a un maximum de 120 heures allouées. Donc, on sait qu'un vélo hybride, c'est 3 heures, un de vélo de montagne, c'est 1 heure de fabrication, et vélo de route, 2 heures de fabrication. Donc, on est capable de construire l'inéquation reliée à la fabrication. Donc, 3x plus y plus 2z, plus petit ou égal à 120. On fait la même chose pour le temps de peinture et le temps d'assemblage. Évidemment, x, y, z doivent être plus grands ou égaux à 0 parce que ce sont des nombres de vélos. Et finalement, notre fonction profit sera 400x plus 300y plus 500z qui est égal à p. Si on veut utiliser la méthode du simplex, tout ce qu'on a à faire, c'est changer notre système d'inéquation en système d'équation. Et pour faire cela, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter les variables d'écart E1, E2, E3. Et notre symbole plus petit ou égal va devenir un symbole d'égalité. Évidemment, si on fait ça, les variables d'écart, il faut tout simplement ajouter le fait que ces variables-là doivent être plus grandes ou égales à 0. Et finalement, notre fonction à maximiser, qui est le profit, pour pouvoir le faire, va tout simplement transférer les variables 400x, 300y et 500z. Donc, on les transfère de l'autre côté avec la variable p. Comme ça, on va avoir la bonne forme pour faire notre simplex. Maintenant qu'on a notre système d'équation, on est en mesure de remplir notre premier tableau. Donc, on a tout simplement à mettre les coefficients, donc les chiffres devant les variables x, y, z. Donc, la première ligne correspond à la première équation, 3x plus y plus 2z plus E1 égale 120. Vous avez les deux autres lignes qui correspondent aux deux autres contraintes. Et la dernière ligne, ça représente la fonction économique qu'on veut maximiser. Donc là, on est rendu à utiliser la méthode du simplex. On suit la première étape, c'est de trouver la solution admissible qui est le sommet 0, 0, 0. Tout ce qu'on a à faire pour trouver cette première solution-là, c'est de regarder les colonnes où est-ce qu'il y a juste un élément qui est non nul. Donc x, y, z sont pleines, ça va être E1, E2, E3. On va leur associer la colonne valeur. Donc E1, 120, E2, 100, E3, 140. Et la dernière colonne, profit, on le sait, elle va valoir 0 selon la colonne valeur. Comme on a encore des chiffres négatifs dans la dernière ligne, on va devoir suivre les étapes du simplex. Donc là, on cherche notre colonne pivot qui correspond à la colonne où est-ce qu'il y a le plus petit chiffre négatif, c'est moins 500. La ligne pivot, il faut faire nos quotients. Donc 120 divisé par 2, 100 divisé par 2 et 140 divisé par 2. On a nos quotients, on prend toujours le plus petit quotient positif qui est 50. Donc, notre colonne et notre ligne pivot, quand on fait le croisement, on trouve le pivot qui est 2. Comme le pivot est 2, donc la ligne 2 va rester la même. Il faut faire les opérations sur les lignes 1, les lignes 3 et les lignes 4 pour faire apparaître nos zéros au-dessus et en dessous de ce pivot-là. Donc, vous avez les opérations pour chacune des lignes, ligne 1, ligne 3 et ligne 4. Il faut toujours se fier à la ligne pivot, qui est ici la ligne 2. En faisant ça, vous avez votre nouveau tableau, le tableau 1. On a terminé de suivre les étapes du simplex, donc on va recommencer, donc on va chercher notre solution admissible. Ici, ce sont les colonnes qui ont un élément non nul, le reste vaut 0. Donc on va avoir x0, y0, 2z égale à 100, donc z va valoir 50, e1 va valoir la colonne valeur qui est 20, e2, 0, e3 va valoir la colonne valeur 40, et finalement, le profit va valoir 25 000. Comme il reste des chiffres négatifs dans la dernière ligne, notre solution qu'on a trouvée, qui est 0, 0, 50, elle ne donne pas le maximum. Donc, il faut continuer la méthode du simplex.
Pour trouver la colonne pivot, on regarde dans la dernière ligne le plus petit chiffre négatif. Ici, c'est moins 150. Donc, la colonne X sera la colonne pivot. Pour trouver la ligne pivot, il faut faire nos quotients. Donc, on prend la valeur et on la divise par le coefficient qui se retrouve dans la colonne pivot. Donc, 20 divisé par 2, 120 divisé par 3, 40 divisé par 0. Ici, c'est impossible. On prend le plus petit chiffre, le plus petit quotient. Donc, on obtient que la ligne pivot, c'est la première. On fait l'intersection de la colonne et de la ligne pivot. Le pivot sera 2, qui est le premier élément en haut à gauche. Donc, on va faire apparaître des zéros en dessous. Donc, à 3, 0 et moins 150, le but, c'est d'avoir des zéros. Donc, on fait les opérations sur les lignes. Donc, pour les opérations, la première ligne reste pareille parce que c'est là qu'on avait notre pivot. La ligne 2 change, donc on fait 2 lignes 2 moins ligne 1. La ligne 3 reste pareille parce qu'on avait déjà un 0 à la bonne place. Et finalement, la ligne 4, on la change, L4 plus 75 L1. Donc, n'oubliez pas qu'il faut toujours prendre la ligne pivot comme référence. Avec ces opérations-là, on a notre nouveau tableau, le tableau 2. On regarde la solution admissible qu'on obtient. Donc ici, la colonne X, on va avoir 2X égale à la valeur qui est 20. Donc X va valoir 10. Y, 0, il y a trop de chiffres dedans. Z, on va avoir 4Z égale à 180. Donc Z est égal à 45. E1, E2, 0. E3 va valoir 40. Et finalement, la fonction P, le profit va valoir 26 500. C'est une bonne solution, sauf que ce n'est pas le maximal, parce que nous avons encore un chiffre négatif dans la dernière ligne, donc il va falloir encore faire la méthode du simplex. Notre colonne pivot, on la trouve en regardant le plus petit chiffre négatif dans la dernière ligne, donc ça va être moins 50, la colonne c'est Y, la colonne pivot. La ligne pivot, c'est le plus petit quotient, donc on fait la valeur divisée par le coefficient dans la colonne pivot, 20 divisé par 0, 180 divisé par 2, 40 divisé par 2. On obtient que la ligne pivot, c'est le plus petit quotient, donc la troisième ligne. On fait le croisement de la colonne et de la ligne pivot et on obtient notre pivot qui est 2. On construit notre tableau 3. Donc, la ligne 3 reste pareille parce que c'est là que j'avais mon pivot de 2. Je fais apparaître des zéros sur la colonne des Y. Donc, la ligne 1 reste pareille. Il y avait déjà un 0 dessus. La ligne 2 change. On fait ligne 2 moins ligne 3. Et la ligne 4 change. Ça va être ligne 4 plus 25 ligne 3. Et de cette façon, on fait apparaître des zéros partout dans la colonne des Y. On trouve la solution admissible. Prochaine étape. Donc ici, première colonne X, on va avoir 2X égale à 20, X va valoir 10. Y, on va avoir 2Y est égal à 40, donc Y vaut 20. 4Z va valoir 140, Z va valoir, 130, va valoir 35. E1, E2, E3, les colonnes sont pleines de chiffres, donc ça vaut 0. Et finalement, le profit, on va avoir le profit de 27 500. Donc là, ici, on se demande, on a une solution qui est 10, 20, 35. On se demande, est-ce que c'est la solution optimale? Et oui, parce que dans le fond, la dernière ligne, il n'y a plus de chiffre négatif. Donc, on a terminé notre problème. On arrête le simplex et on fait juste répondre à la question. Il nous reste juste à interpréter la réponse dans une petite phrase en contexte. Donc, X, Y, Z signifiait des vélos d'hybride, vélos de montagne et vélos de route. Donc, on va avoir besoin de 10 vélos hybrides, 20 vélos de montagne, 35 vélos de route. Et le profit maximal sera de 27 500.